Surtout sur une nouvelle vidéo. Alors comme vous voyez les gars, nous sommes sur Clash Royale Arena 7. Donc aujourd'hui les gars, je vais faire mon deuxième épisode de Deck Invincible. Donc aujourd'hui nous allons toujours affronter Younes 235. On va toujours l'affronter et cette fois-ci on va utiliser ce deck. Donc le voilà, cimetière, golem, armée squelette. Et le deuxième deck c'est celui-ci, 4.3, c'est pas grave. Ce sera du géant ballon, tour de l'enfer, barbare d'élite. Et le troisième deck, ça sera géant royal, valkyrie, boule de feu, esprit de feu, armée de squelette, flèche, mousquetaire et la pierre tombale. Donc c'est parti, on va commencer par le premier deck. On va tout de suite demander un combat. On affronte Maillard. Donc voilà, c'est Maillard qui va rejoindre la partie. Ok, il nous met chevaucheur, nous on va mettre armée de squelette. Il nous met ça, ça me pose aucun problème. Je vais mettre Bomber, le petit bombardier. Il fait le taf, bon, le petit Bomber. Voilà, on a terminé son Bomber. Maintenant, on va commencer à faire un push. Tout d'abord. Oh là là, par contre, là, j'ai rien. Oh non, 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 non. Pierre tombe, allez, push-toi. Voilà. On économise de l'élixir. Le golem qui... Ah, j'ai mon golem. J'ai une mauvaise idée. Voilà. Ça nous aide car nous, on va économiser des l'élixir. Voilà, le méga gargouille. Voilà. Et... Le cimetière. Voilà. Oh, par contre, je vais mettre le bébé dragon. Voilà. On lui fait très mal. Très très mal. Et oui, voilà, on lui termine déjà une tour. On va mettre... Oh non, il y a le bomber. Faut que le bomber meure. Voilà, le bomber est mort. On met remet de squelette. Lui ici, il a mis. C'est pas grave, c'est pas grave. Donc c'est vraiment super. Voilà, on lui a fait très très mal. On lui a mis cher, les gars. Donc sa tour du roi a déjà 1019 PV. Ça... On lui fait vraiment mal, les gars. Donc, on va vraiment... On va reprendre notre push. On va mettre... Golem. je sais pas pourquoi il a mis gel. Ok, par contre, là, on va défendre. On va mettre pierre tombale. Voilà. Super, super. On va mettre... Une méga gargouille. On va mettre... Un bébé dragon. Je pense que là, il met rien. Oh non, il met ça sur rien. Faut qu'on va mettre Bomber. Ouais, Bomber. Bomber, voilà. On joue le signe. Oh non, 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 j'ai pas vu son Bomber. Faut que son Bomber meure. Oui, Bomber. Et oui, les gars, 3-0. Donc voilà, on lui a vraiment mis cher. On l'a vraiment massacré. Donc, 3-0 face à Maillard. Quel combat incroyable les gars, donc c'est vraiment tout un combat qu'on vient de faire contre moi face à Maillard. Donc maintenant, deuxième deck. Donc on sait que ce deck, c'est vraiment, ça a fait le taf ce deck, donc ce deck est vraiment super. Deuxième deck. Voilà, deuxième deck. On demande le combat. On demande le combat. Et cette fois, c'est Younes 235 qui a la partie. Et voilà. Donc, voilà la partie. Comment nous allons commencer? Donc, tout d'abord. Ok. Donc, on va attendre. Il joue beaucoup de gobelins. Donc il joue un deck très peu d'élixir. Ok. Oh, mauvaise idée de sa part. Vu qu'il va se les faire défoncer. On va faire ça. Et ça.
Voilà, on met notre poche, il met quatre squelettes. Et voilà, on lui fait mal. On met un ballon. Et la petite rage. Oh non, 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 il va mourir, ballon. Oui, on a détruit la tour. Super. On est super, les gars. On est 1-0. C'est bien. Ok, on va faire ça. Voilà. Et voilà. On se rachète l'élixir. Ok, il nous met une cabane de gobelins. Elle va me saouler sa cabane, donc on va faire ça. Une double cabane, ça je m'en fous. Maintenant, oh là là. Oh là, qu'est-ce qu'il fait? Les barbares d'élite qui font très bien le taf, sa rage qui va être terminée. J'espère. Ouais. Et voilà! Géant ballon. Il met 6 esprits de feu. Moi, je vais faire ça. Oui. Oh, par contre, voilà. Tour de l'enfer. On va faire une mousquetaire ici. On va mettre les barbares d'élite. Bon, je pense que je vais mettre. Voilà, on laisse les barbares d'élite faire le taf. On va mettre un géant pour une armée de squelettes. Et combat terminé. Si nous qu'on prend la victoire. Donc, on remporte le match 1-0. Donc, maintenant, on va utiliser le troisième deck. Donc, on est reparti. Maintenant, on va faire le troisième deck. Le troisième deck, c'est celui-ci. Voilà. Genre royal, Valkyrie, boule de feu, esprit de feu, armée de squelettes, flèche, mousquetaire, pierre tombale. Il demande le combat, on va faire combat en appui. Donc lui il est Arentis comme vous voyez. Voilà. Ok. Là, comment nous allons commencer? On va mettre ça ici. Voilà. On se rachète l'élixir, il nous met un bélier, on va faire ça. Oh, l'esprit de feu. Ça servira à rien. On va faire ça. Voilà, esprit de feu. On met Valkyrie. Et voilà. Il met Prince. Son prince meurt. Nous remettre. Oh, les flèches. Voilà, on lui a fait mal. Ok. On va mettre ça. On va attendre l'élixir. On met ça. Ça. Oh, une mousquetaire. Les esprits de feu. Et l'armée de squelettes. Ah oui. Bon. On va reprendre l'agent royal ici. Une Valkyrie ici. Oh, son bélier de combat m'énerve. Oh, pourquoi j'ai mis le.
Oh les gars, j'ai peur. Oh, c'est une prise de feu. Merde. Il nous a battu. Il reste 10 secondes. Donc c'est pas grave, on a perdu. On va refaire une autre partie. On va lui redemander une autre partie. Et c'est parti. On va faire ça. Voilà. Et voilà, on a détruit son sorcier, c'est bien. Il met les Spirit Goblins. Voilà. Maintenant, on va se concentrer sur notre push. Ok. Valkyrie. Oh. On fait ça. Et ça. Super, on lui fait mal. Donc, il nous met signe qu'il est fâché. Voilà. Oui, on lui détruit une tour. C'est bien. On va mettre les boules de feu. Voilà, c'est super. On lui bat 1-0. On va faire ça. Voilà. Ces esprits de feu vont nous battre, malheureusement. On attend l'élixir. On va faire ça. Et ça. On fait ça. C'est bien défendu. On va mettre Valkyrie. Mousquetaire. On va faire ça. Voilà. Il reste 30 secondes. On va faire ça. Et ouais, il pourra pas passer. Valkyrie. Voilà. Une petite pierre tombale. Et voilà, on a gagné le combat. 1-0. Donc, les gars, ce sera tout pour cette vidéo de Deck Invincible. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, liker cette vidéo, les gars. Donc, à plus les mecs. Bye.